Eh bonjour les gens! Ce soir, c'est. Ce soir, ce n'est point The Witcher, c'est ma sorcière bien-aimée. Non, je déconne, c'est The Witcher, mais avec ma sorcière bien-aimée, et bien évidemment à l'intérieur, puisque nous allons aujourd'hui rechercher une sorcière. Nous allons partir à la recherche d'une sorcière qui a, à ce qui paraît, s'est accrochée avec Ciri. Donc nous allons. Excusez, je suis en train de me servir un verre. Un verre de. De ce magnifique nectar. Nectar de ce nectar de fruits multiples. Voilà. Parce qu'il nous faut de l'énergie et puis j'ai rien d'autre à boire. J'ai pas de coca. Vous voulez en acheter. Enfin bref, s'en fout de ma vie. Donc voilà, on va lancer The Witcher tout de suite dès maintenant. Parti. Alors, c'est parti. Tan tan tan. Ta-da-da. Ta. Ta-da. Ta-da-da. Augmenter un peu le son. Voilà, comme ceci. Ta-da-da. Ta-da-da. Salut Lurana! Ouais! Lurana est là! Ouais! Big up! Tan 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 tan. Alors, nous avons, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, nous avons rencontré. Enfin, nous devions rencontrer un espion de l'Empire Nilfgaardien qui devait nous mener à des certaines informations à propos de Ciri. Il se trouve que ce malheureux est mort d'une tragique mort faite de torture et de vent glacial, faite par la chasse sauvage et guerriers, les cavaliers pourpres, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Comme on l'a trouvé mort, il n'a pas pu nous donner les informations, mais nous avons quand même fouillé ses appartements et trouvé un registre sur certaines informations à part, sur notre ami Ciri, notre pupille Ciri, notre padawan. Nous avons su qu'elle avait rencontré le baron sanglant que nous avons défoncé. Haché menu, tout ce que tu veux, ces escadrons de la mort, que dalle, ces escadrons noirs, je crois que c'était ça, enfin sa garde de bandits, d'enculés, de merde, que nous avons défoncé à plate couture, hein. Ils étaient 6, on était tout seul, on les a pétés, et puis après, sans aucune vergogne, nous sommes allés chez lui, on a fait toc toc, je voudrais te parler. Il a pas voulu, on est rentré par la porte de derrière, et on a été le voir directement, lui qui était à ses jardins en train de méditer. Voilà tout. Il nous donnait des informations sur Ciri, en échange, on devait aller. Sauver sa femme et sa fille, ce que nous avons fait, mais durant cette petite quête, nous avons remarqué qu'en fait, elles sont parties de leur gré, puisque elles se sont enfuies
de son domicile, puisque en fait, on a remarqué, le baron sanglant battait sa femme, mais pas sa fille. Il battait seulement sa femme. Tu vois, c'est un enculé, mais pas trop. Ah, on reste tranquille. Donc voilà. Nous avons donc été chercher, rechercher sa femme et sa fille. Alors, sa femme, on sait pas ce qu'elle est devenue, et sa fille, elle est à Ochsenfurt. Ochsenfurt, n'est-ce pas? Un petit vilainet. Où elle séjourne, elle a l'air de séjourner paisiblement de ce côté-ci. Et elle ne veut plus revoir son père. Et à mon avis, la femme, c'est pareil. Ou alors, c'est le contraire. À mon avis, elle l'aimait bien. On entend en écho. C'est une furte, n'est-ce pas? Ah, excusez-moi. J'ai pas d'écho. Moi, personnellement, j'ai pas d'écho. Donc voilà. Alors, nous allons commencer. Le contact du sorceleur à Vélène était un certain Hendrik, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission, collecter des informations sur Ciri. Hélas, Geralt arriva trop tard. La chasse sauvage avait déjà fondu sur Hendrik. De l'espion, il ne restait plus que le corps, mais les cavaliers spectraux n'avaient pas découvert ses notes. Par celle-ci, le sorceleur apprit que Ciri avait séjourné chez un chef de guerre local, le baron sanglant, et qu'elle s'était querellée avec une sorcière. Voilà. Donc maintenant, une fois que nous avons fait un petit peu... Alors, nous n'avons pas fait toute la quête de notre ami le baron sanglant, mais une bonne partie nous a donné des informations. C'est bien, Ablette. Donc cette fois-ci, nous allons chercher la sorcière, puisque ce qu'il nous reste à faire... regardons. Affaire de famille. Suivez les pistes restantes à Vélène pour retrouver la femme du baron. Alors, soit je finis ça. Soit je fais la chasse au sorcier, à la sorcière. C'est au choix. Alors, mais d'abord, nous allons réparer. Ok, on se tape contre les murs, c'est pas grave. Hop, on descend. Allez, Fergus. En quoi puis-je vous aider? J'ai besoin d'une armure. J'ai besoin d'une armure. Mais surtout que tu me répares, en fait. J'ai un gambison sidarien qui donne plus. Au revoir. En fait, j'ai pas forcément besoin de racler de la thune. Ah, intéressant. Donc, voilà. Ah, j'ai des œillères pour mon cheval. Bonus de 5 en expérience en tuant des humains et non humains. Tranchant et contondant. Dégâts des monstres. Résistance aux dégâts des monstres. Ouais. Bah, à mon avis, il faudra que je l'améliore, ma petite armure de Kermorel. En attendant, pas forcément grand chose à vendre. Hein. En quoi puis-je vous aider? Ah, je voudrais te vendre de la merde. Qu'avez-vous à vendre? Je jetterai. Salut, Ablette! Voilà, elle passe sur l'écran, elle a envie. Hein. Épée de Métina. Oula, non, je te vends pas ça. Hein. Hop, 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 hop. Ça, par contre, je te vends, hein, volontiers. La selle, bam, ça dégage. On rack de la thune, hein, on se fait plaisir.
Alors l'émeraude, je la revends un putain de bon prix. À mon avis, elle vaut plus que ça. Partie de Gwyn, ça vous dit? Je meurs d'envie de jouer au Gwent, ça devrait me requinquer. Une petite partie de Gwent hein, pour commencer. Allez, commencez la partie. Alors, lui, c'est un adversaire Scoia'tael. Alors, on a de la carte, hein, on a pas mal de cartes. Je n'ai pas de fantassin comme toi. Temps dégagé, parfait. Parfait. C'est tout. Allez, commence. Commence par un archer. Un magnifique archer. Moi, comme j'aime bien contrer, on va commencer par un archer aussi. Un archer puissant. Ah ah, il peut passer. Oh, c'est putain, c'est bien ces cartes là. Bon, eh bien, voilà, on va passer à armes égales. 3. 3. T'es dans la merde. Moi, je suis à 11. 4. Toujours plus que toi. Tu raques encore? Tu rattrapes toujours. Passe devant. Neuf. Deux. Une carte de chef. Appliquée. Adversaire à passer. Je gagne ce round. Mais non, je contre. Temps dégagé. La pluie, c'est pas grave. Mon adversaire a passé. T'as plus rien. C'est parfait, je passe aussi, je suis plus à toi. Hop là, on remporte la manche. Oh ! Comme quoi, en fait, c'est juste le Baron Sanglant qui est complètement pété, quoi. C'est... Ils ont des bonnes cartes les joueurs, mais quand on apprend à gérer les cartes, ça passe. On va dire faut se battre au début dans la première bataille jusqu'à ce qu'il rack en fait. Ou alors tu mets beaucoup des grosses cartes dès le départ et tu le fais racker. Ouais, non, mais ouais, mais on se frotte pas un sorceleur comme ça, les gars. Alors, bon, ma sorcière bien aimée, elle attendra. Affaire de famille. Où est-ce qu'il sort ?
Non, la carte du monde. Ouais, elle m'a resté par là. Ah voilà, c'était ici. Oh, bien les bugs. Suivre les pistes restantes à Velen. Passez vite, tablette. Pour retrouver la femme du baron. Alors, les pistes restantes de Velen. Alors, où est-ce qu'elle aurait pu aller? Elle s'est enfuie dans la forêt. Quelle forêt? Cette forêt? Aller par là, ça a l'air d'être une plus grande forêt, un peu plus dense. Alors je demande aux aubergistes. Bon, c'est trop flou, donc on va être obligé de passer à la chasse à la sorcière, parce que là c'est trop long. Ou alors ouais, dès que je passe dans un village, je demande des informations. Par contre, il y a un truc qui me saoule. Hop, ça dégage. C'est vrai qu'ici on n'avait pas vérifié. À l'intérieur si c'est possible. Voilà, d'être possible de rentrer à l'intérieur. Boum. Alors on fouille les corps. Mutagène bleu inférieur. Parfait. Et mutagène. Bon, j'ai pris un peu cher mais ça va. On trouve la sorcière. C'est pas grave pour la mère. Yeah. Trouvez la sorcière par vos propres moyens ou demandez aux habitants de Aubreuil où elle réside.
C'est bien, Hamlet. Allez, go! Ralentissons l'allure. Là, au bas. Aïe, foiré. Boum. Ouf. Un nid de goule, je vais m'en débarrasser. N'avait pas de bombe. Il me faut des kélidoïnes. Tant pis. Quête. Allez, U. Oh. Wouf. C'est par là. On est tombé dessus direct. Mamsel, la vache souffle comme une vieille forge. Et elle tient même plus debout. Elle a du pus qui coule par le museau. Et alors, tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme? Ça non. Mais vous savez des choses. C'est la dernière vache du village. Celles qui sont pas mortes de faim, les soldats les ont prises. Sans elles, on passera pas l'hiver. Je vais te donner des herbes. Plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit, puis fais boire le tout à ta vache. Mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de curer les tables, c'est bien compris? Merci, mademoiselle. Mille merci. Oui, oui, c'est bien. Allez, Oust, ça suffit pour aujourd'hui. Salut, Clark! Elle est de mauvaise humeur. On fera mieux de revenir demain. Attention à ce que tu dis, elle a la malédiction facile. Ouais, tout seul. Ouais, t'inquiète. La sorcière. Il y a quelqu'un? Tout ce qu'il y a de plus banal. Qu'est-ce que j'ai chopé là?
Alors... Où a-t-elle bien pu passer? Impressionnante collection. Permets, hein, je te pique tout. Voilà. Je sais, c'est pas bien de voler une femme. Oh, mon avis. Lettre pour Alexander. Chérie, je t'écris car tu dois craindre que je suis toujours en colère. Sot que tu es, tu sais très bien que je ne garde jamais rancune très longtemps. Je te pardonne. Tout ça, c'est à cause de tes secrets. Est-ce si étrange que je m'intéresse à tes recherches sur la peste? J'adore te regarder travailler dans ta tour. Je t'en prie, si tu refuses toujours de discuter des résultats de tes recherches avec moi, ne me refuse pas ce petit plaisir. Si Vézérade, à mon avis c'est ça, Vézérade n'a pas besoin de toi demain soir, viens me voir. Nous oublierons tout ça avec un verre de vin, voire deux ou plus. Ta K. C'est pas bien, j'ai fouillé dans ces... Ce genre d'ornement n'est pas monnaie courante, Avelaine. Il dégage une puissante aura. C'est sûrement un artefact. Donc par là que la sorcière du village s'est volatilisée. Sympa! J'aime beaucoup! Ça par exemple, pas mal. Eh ben, je me demandais combien de temps ça te prendrait, Geralt. Je suis à l'étage. Keramet. Pas fouillé dans son sac, juste dans ses affaires. Salutations, sorceleur. Ouais, et puis vu comment elle est, je pense que si je fouille dans son sac, c'est pas... T'as oublié un endroit. Où ça? T'es venu pour te rincer l'œil? Non, pour parler. Retourne-toi et attends. Je pense que j'en ai assez vu. Bon, ok. Keramès, perdu en plein cœur de Velen. Que tu détestais la campagne. Je la déteste plus que jamais, crois-moi. Quand j'ai entendu dire qu'une sorcière vivait dans le coin, je n'imaginais pas tomber sur l'ex-conseillère du roi Foltest. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu de cette capacité à t'émerveiller d'un rien, propre aux enfants, aux chevaliers errants et aux simplets. J'ai touché une corde sensible, on dirait. C'est comme ça que tu accueilles un vieil ami. Tu ne l'as pas trouvé agréable, mon accueil ? Allons, dis-moi plutôt ce qui t'amène ici. C'est moi qui pose les questions. Des nouvelles de tes sœurs de la loge? Non. Nous évitons d'entrer en contact. C'est plus prudent. Mais tu n'es pas tenté d'en savoir plus? Si, bien sûr, mais je n'ai aucun moyen de savoir qui me répondrait. Ou pire encore, qui pourrait m'entendre. Pardon, mais il faut que je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici?
Laisse-moi réfléchir. Je profite du bon air de la campagne? Non. De la vue imprenable? Non plus. Voyons, qu'est-ce que je peux bien faire ici? Je me cache, Geralt. Tu crois que je fais quoi? Tu n'es pas au courant des affaires du monde? Tu veux parler de la persécution des mages? Oui, bravo! Bien sûr que je veux parler de Radovid et de sa chasse aux sorcières. Les chasseurs de sorcières, ça te dit quelque chose? Des criminels qui arpentent le Nord pour brûler des livres, pendre les voyantes et torturer les herboristes. Ça te plaît, je parle. Ce rôle de rebouteuse. Ne m'en parle pas. Et l'admiration sans borne des paysans du coin, qu'en fais-tu? Donne-leur une crème contre les hémorroïdes et ils t'admireront, toi aussi. Tu es là depuis un moment, non? Depuis une éternité. Tu n'imagines pas à quel point je déteste cet endroit. Beaucoup d'endroits pour se cacher. Non, mais tu crois que j'avais le choix? Au nord, les hommes de Radovid se sont lancés dans une chasse aux sorcières. Nilfgaard contrôle le sud. Où voulais-tu que j'aille? L'empereur sert l'abri aux mages, mais il les laisse vivre en paix. Radovid et Ymir ont une seule chose en commun. Leur profonde haine de la loge des magiciennes, dont j'ai fait partie, ne l'oublie pas. Changeons de sujet. Je suis à la recherche d'une jeune femme. Vraiment? Et qui est-elle? Quelqu'un qui est trop contrarié. Elle aurait contrarié la sorcière du village. C'est ridicule, Geralt. Les filles de la région n'oseraient jamais s'attaquer à moi. Elle n'est pas de la région. Tu me caches quelque chose, Geralt. Si tu veux que je t'aide, dis-moi la vérité. Qui est-elle vraiment? Ciri. Ciri? Je comprends mieux maintenant. Ça explique tes mystères et ton air maussade. Et tu dis qu'elle a eu des ennuis avec une sorcière. Tu ne l'as pas vue, si je comprends bien. Non, je ne l'ai pas vue, j'en suis certaine. Mais récemment, un homme m'a posé des questions au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés. Qui était-ce? Pas si vite, Geralt. Tu n'as pas une petite offrande pour la sorcière? Une douzaine d'œufs, ça ira. C'est quoi tes tarifs? Une douzaine d'œufs, trois poules? Continue comme ça et le prix sera bientôt au-dessus de tes moyens. Oh, je te trouve bien susceptible. Tu vis au contact de la nature. Tu devrais être plus calme, plus sereine. Je hais la nature. Ne me regarde pas comme ça, Geralt. Je sais très bien qu'il s'agit de Ciri. L'homme qui cherchait Ciri là, c'était un elfe. Et pas un scoyatel pouilleux. Un mage. Que venait-il faire à Velen, au juste? Je lui ai posé la question, évidemment. Évidemment. Mais tu sais comment sont les elfes? Beaucoup de questions, peu de réponses. Il a dit comment il s'appelait? Non. Et il portait un masque, en plus. Il était vraiment très secret. Mais aussi très intelligent et très calme. Il t'a dit pourquoi il cherchait Ciri? Non, il m'a juste dit qu'il devait se retrouver à Velen. Il voulait savoir si elle était arrivée avant lui. Il a laissé un message pour elle? Il a laissé un message pour elle? Non, mais il m'a demandé de la conduire à lui si je la voyais. Tu sais où le trouver? Oui. Il m'a dit qu'il s'était installé dans les ruines elfes, près du village de Aubreuil. Je vais venir avec toi. Ouais, on devrait commencer par ça. Tu as peur que je me perde? J'ai une petite affaire à régler avec l'elfe. Il m'a promis quelque chose, mais... Ouais, Nem. Et puis, je suis... What the fuck? J'ai trouvé Ciri là-bas. J'aimerais la revoir, moi aussi. Allons-y. Oui, en avant.
nous y sommes. Tu es déjà venu ici? Non. J'espérais juste que l'elfe revienne, ou que la fille finirait par apparaître. Mais pour ce qui est de cet endroit, je sais absolument pas à quoi m'attendre. On le saura bientôt. Hop, 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 pas si vite. Les fruits secs. Voilà. La chasse sauvage. Ils sont déjà là. Quoi ? Des cavaliers fantômes ? Mais je pensais qu'ils n'existaient pas. Bien sûr que si. Admire les cavaliers inexistants alors. Ils ont un navigateur avec eux. Un quoi ? Tu peux nous téléporter de l'autre côté ? Je préférerais nous téléporter en lieu sûr. Tu veux vraiment les suivre ? Oui, dépêche-toi. Ah oui, c'est... Oh, de faire ta peureuse. Salut Yoyi, salut Eker. Pas très bien tes portails, hein. Voilà. Saloperie. Dégueulasse ces trucs. Alors on fouille bien. Sauvegarde aussi. Voilà. Pas le bon chemin. Pas le bon chemin, mais ça se trouve il y a des trucs.
fais mal? Enfin, un peu. J'aime pas ce gaz. Et attends. Gaz. Qui dit gaz? Ouais! Ça marche bien! Ouais! Mais n'empêche, j'ai pas tout fouillé. Ouah! Oh le con! Hop là. J'ai fait une connerie. Quand tu médites, ça réinitialise, d'accord. Ok, j'aime bien, c'est pas mal pour farmer. Oh merde. Qu'est-ce que j'aime pas aussi? Ah! Un fils de... ça. Putain. À la merde. Ah ouais, non mais il m'a jeté n'importe quoi dans la gueule. La graisse d'ours servir de l'eau, ça peut servir. T'attends une heure. Merci. C'est drôle. Du calme, je ne sens que des rats.
Voilà. Merci. Tu as peur des rats? Tu aurais pu les éliminer dans ce monde. Ouais, mais la peur des rats, la peur des rats, hein. D'accord, n'en parlons plus. Dis-moi plutôt ce qui t'est arrivé. Il y a quelque chose ici qui perturbe la téléportation. J'ignore comment ils ont réussi à passer de l'autre côté sans encombre. La magie de téléportation de la chasse sauvage est particulière. Ils utilisent des mages spécialisés, des navigateurs. Je me fiche de savoir le pourquoi du comment. Je prendrai plus un tel risque, c'est tout. Allons-y. La chasse sauvage a de l'avance sur nous, mais on a encore une chance. Tu as perdu la tête? Nous devons partir d'ici tout de suite. Je dois découvrir ce que la chasse sauvage fait ici. On est venu pour trouver le mage elfe, pas pour affronter la chasse. S'ils le trouvent les premiers, on n'aura aucune chance de lui parler. En plus... Vas-y, continue. Attends, tu t'intéresses à la chasse pour une bonne raison. C'est en rapport avec Ciri? Tu ne m'as pas tout dit, je me trompe? Si tu veux des réponses, viens avec moi. Tu voilà. Es toujours comme ça. Triss et Yennefer ont vraiment du mérite. Oh la seule. Ah. Bien, allons-y. Elle a bien. Private, la reine à lune. C'est lui, c'est l'elfe. Harveig Vagledir. Qu'est-ce que c'était? Une illusion? Non, une projection morphotique. Un hologramme, quoi. Une quoi? C'est une sorte de boîte postale pour magicien. C'est bien plus sûr qu'une lettre ordinaire que n'importe qui peut intercepter. Pas de doute, c'était un message pour Ciri. La fille de la mouette, c'est elle, la descendante de Lara Doran. Oui, ça ne fait aucun doute. En revanche, je n'ai rien compris à cette histoire de signe de l'épée. Ce serait une énigme? Oui, mais pas trop difficile pour qui sait que l'épée de Ciri s'appelle Ciriel, l'hirondelle. Comme si quelqu'un d'autre que toi savait ça. C'était peut-être le but. Mon mage elfe s'est assuré que seul Ciri pourrait trouver ce passage secret. Apparemment, il a négligé qu'un type dans ton genre pourrait venir fouiner. Vu ses dispositifs, je pense qu'il s'attendait quand même à des visiteurs indésirables. Espérons que la chasse sauvage se soit heurtée à ses protections. Allons-y dans ce cas. Tu penses qu'on s'en sortira en suivant les hirondelles? On verra bien. Non, c'est une humaine, il me semble. Ce n'est pas une elfe. Oh, du poivre. Énorme. L'ancien port elfe. Ça doit être comme ça qu'il s'est arrivé. Dans la mer. Mais voilà comme ça remonte. Attention. Cette vapeur jaune est lumineuse. Elle est toxique. De me priver. Je pourrais reconnaître la morine profine, les yeux fermés. Vézémir m'a raconté qu'après avoir appris le signe d'Igni, il a essayé de le lancer sur ses champignons. Pas très malin. Et que s'est-il passé? Il s'en est tiré. Les jeunes sorceleurs s'y cachent. Bien.
Nom de Dieu. Aïe. Voilà. Salut No Light. Personnage. D'accord. Par contre, ça commence à me saouler. Curieux, je voudrais voir les autres trucs. Bah moi ça va. Et sinon les gens ça va? Pantalon d'assassin. Voilà, plus rien à voir. Parfait.
Voilà. Le 6. C'était le nom de la jument de Ciri. Apparemment, elle galopait comme un démon. Joli nom pour un cheval. Bon, on se met à sa recherche. Elle a grand. C'est ça, mets de la lumière. Ce que tout ça signifie. On dirait que ça a été griffonné hâtivement à la chaux. Griffonné hâtivement, c'est plutôt bien griffonné, je trouve. Ah. Cheval dessiné. Ça doit être un indice destiné à Ciri. Voilà le cheval. Ah, il y a toujours un coffre dans l'eau. C'est quoi ça? Jacques de Cadwen. Si tu veux, elle est un peu moins puissante, mais elle a plus de passif. Je sais que c'est ce portail qui perturbait mes téléportations. Moi, je sais pourquoi j'ai atterri dans un nid de noyeurs. Tu devrais t'estimer heureux d'être ressorti du portail en un seul morceau. Et tout le monde s'étonne que je déteste la téléportation. Il faut essayer de l'activer. Ça a l'air d'être simple. Je crois que c'est... c'est une hirondelle. Ça a marché. T'es sûr qu'on ne risque rien? Bien entendu. Le mage a laissé ce passage à l'intention de Ciri. Allez, viens. Sympa. Elle a gueule. C'est très calme tout d'un coup. C'est une mauvaise chose. Ça sent le calme avant la tempête. Ouais, surtout ce qu'il y a au fond. Ouais, va pas si vite, toi. Surtout que ce qu'il y a au fond, ça me plaît pas. Alors, pas du tout.
Un golem. J'ai comme un mauvais pressentiment. Zyréen non identifié. Détruire les intrus. Même pas du tout. Allez, on remet Quen. Parfait. Putain. Ça va, il était pas trop dur. Ouh. Et voilà le travail. Je savais qu'on y arriverait. Vraiment. Dis-le-moi avant la prochaine fois. Mon intuition ne m'a jamais fait faux bond, sorceleur. Ah, oh, l'intuition féminine. L'intuition féminine. Par exemple, je perçois d'excellentes vibrations à ton encontre. À de multiples égards. C'est une invitation. C'est quoi cette pierre runique? Augmente les dégâts, augmente les chances d'infliger l'empoisonnement. Augmente le signe d'Igni. D'accord. Désolée d'être aussi indiscrète. J'ai tendance à oublier qu'on se connaît à peine. En tout cas, pas assez pour aborder des sujets aussi personnels. Ouais. Ne t'en fais pas. Ça viendra. Ouais, ton intuition féminine, là, elle en est où? Je croyais que tu étais pressée. Ouais, je vais par là. De l'huile contre les créatures élémentaires. Espèce de loup, d'accord. Hybride. On demande des choses, hein. C'est de l'huile contre les hybrides améliorés.
Donc en fait, ouais, d'accord, c'est des décoctions. Ça c'est d'accord, du miel blanc au cas où. Je vois, je vois. Une gargouille. Ah ouais, t'es plutôt du genre solide. Magnifique. Parfait. Champion de Vizima. Salpêtre, ça peut être utile. Je dirais même plus, très utile. Y a-t-il quelque chose que j'aurais oublié? On perd pas trop de vie, c'est parfait. Ça va, on a appris quand même un petit peu à jouer au jeu. Ça va, un téléporteur. Il faut l'activer en vitesse. Mon petit toit me dit qu'un autre golem va nous tomber dessus. Peut-être. Ouais, mais il triche aussi. C'est la chasse sauvage. Parce qu'ils ont vu aux sentinelles du mage, je veux qu'ils soient venus ici pour discuter. Parce que tu y croyais vraiment. Ah ouais, effectivement, ouais, bon. Oh, les golems, bon. Allez, on les gèle. Hein. Franchement, ça sert à quoi? Sert à quoi? À mon avis, ils sont là. Esaï Issa, Tabar Tori, Benin Niamar, Raël. Ça a un petit peu bugué, désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Le froid blanc. Le mage de la chasse l'a invoqué. Tu peux sceller ses failles, ça passe à travers. Elles sont trop éloignées. Il faut qu'on se rapproche. Je vais invoquer le barrage de Demetia Crest. Reste près de moi. Non, il y a un mal.
Ok. Je sens que ça va être chaud. Coup de bouclier. Allez. Voilà. Souffre, ça peut servir. Ça va, Kerab, pas trop froid, hein, je trouve. Elle est pas trop habillée légère, ça va. J'ai connu pire. Pas dire qu'elle est morte en 2 secondes, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Le four à plan. Tu peux se laisser faire. Elles sont trop restes près de moi. Je suis prête. Ne t'éloigne pas de moi. Allez, le molosse, tu te ramènes.
Hop là. Mais putain, mais elle est morte en une seconde! Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillée, Geralt tomba sur une vieille amie, Kera Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. J'avais oublié que de faire des recharges, des chargements, ça sert à rien. C'est beaucoup plus long que si tu mourais en fait. Même pas eu le temps d'attaquer. Charon. Et ça, tabar. Chaim Tavir. Voilà. On peut pas sauvegarder, c'est cool.
Bon, ça va le faire. J'ai plus beaucoup de vie, mais c'est pas grave. Voilà. Ça va marcher. Ouh. Hera. Est-ce que ça va? C'est rien. Ça va passer. Je suis juste un peu fatiguée. Ouais, c'est ça. Ne t'évanouis pas. Maintenant que tu me tiens dans tes bras, jamais de la vie. Je n'aimais pas que ça me dérangerait de rester ici avec toi, mais... Je sais. On doit continuer. Ils ont bloqué le passage. Laisse-moi faire. Technique de l'évanouissement, hein. Bien connue. Hein. Bien. Faut peut-être encore les rattraper. Ouais, pas si vite. Saltan, merci pour ton aide. C'était pas gagné. Heureusement que je t'ai accompagné. Sans moi, t'y serais passé, hein. Allez, admets-le. Je l'admets. Manquait plus que ça. Allez, approche. Non. Jack des chasseurs de primes. Ah. C'est un peu plus mignon. C'est toujours dégueulasse, mais c'est un peu mieux.
Ah oh, merde. Il nous attend. Tant mieux. Je vais le chercher alors. Sympa la hache. Tu es tenace, Dwayne. Gérald, je pourrais... Recule. Arrête de me donner des ordres. Je me demande combien de temps tu vas tenir. Tu te demandes combien de temps je vais tenir? Mais suffisamment pour te casser la gueule, mon con. J'attends juste qu'elle te mette le coup et je balance le mien. C'est pas grave, j'ai toujours Quen. Balance un coup. Kera! Voilà. Pomme! Pomme et le coup de grâce! Voilà, bien, tu es en assez morceau. J'ai cru. Tu as mal cru. Épée de guerrier de la salle de la chasse sauvage. Ah, ouais. Oui.
ou je m'appelle plus Keramès. Regarde, l'elfe a laissé un autre message à Sylvie. Ouais, bah attends. Bon. Voyons ce que dit le message. Oh merde. Jiréel, cet endroit n'est plus sûr. Parle ici sans tarder. Ne fais confiance à personne. Et surtout pas aux sorcières du marais de Torséché. Essaie d'atteindre le lieu de notre dernière rencontre. Le lieu de notre dernière rencontre. C'est un peu maigre comme indice. Chier. Il est peut-être préférable que son message soit cryptique. La chasse sauvage est passée par ici, ils ont sûrement vu la projection. Ils ont fouillé partout. S'ils avaient eu plus de temps, ils auraient certainement rayé cet endroit de la carte. Ça ne change rien au fait qu'on en est toujours au même point. Rien de neuf au sujet de l'elfe ou de Ciri. Au moins, nous savons maintenant qu'ils se connaissaient bien, et qu'ils voyageaient ensemble. Je me demande pourquoi ils se sont séparés. Si la chasse sauvage était aux trousses de l'elfe, il a peut-être voulu éloigner Ciri pour la protéger. Les sorcières du marais de Torsépine. Non, Torséchine. Kera, je te préviens. Si tu me caches quelque chose... Mais je n'ai pas dit que... Tu les connais, ces sorcières? Je ne les ai jamais vues, mais... J'ai trouvé un vieux manuscrit à leur sujet dans l'une des huttes du village. Il raconte que les sorcières de village s'aventurent parfois dans le marais pour jouer les intermédiaires entre les villageois et les moires. Les dames de la forêt. Les moires détestent les étrangers, mais elles protègent la région. Apparemment, ce sont elles qui auraient éradiqué l'épidémie de Velen. Je vois. Et tu en penses quoi? J'aimerais y voir de simples contes de bonnes femmes, mais j'en ai rapidement eu le cœur net. Les premières semaines après mon arrivée à Velen, j'ai fait d'horribles cauchemars. Quelque chose m'appelait dans le marais. Une nuit, j'ai décidé d'entrer dans mon rêve consciemment. J'ai confronté... la chose. Elle a tout de suite rompu le contact, et mes nuits sont redevenues paisibles. Pourquoi tu m'as caché tout ça? Je t'ai pourtant dit que Ciri avait eu des ennuis avec une sorcière. Je ne pouvais pas deviner qu'il s'agissait d'une moire. De toute façon, si je t'avais dit quelque chose, tu aurais foncé tête baissée. Il fallait tout de même venir ici pour confirmer le passage de Ciri, non? Maintenant que c'est fait, je vais tout te raconter, évidemment. Tu veux dire maintenant que je t'ai aidé à traverser la caverne? Geralt, tu me fais de la peine. Tu as vraiment une bien piètre opinion de moi. Ou peut-être des magiciennes en général. On se demande bien pourquoi. Comment trouver ces sorcières? Les marais sont vastes et dangereux. Mais les moires marquent le chemin pour les paysans qui veulent leur rendre visite. Le manuscrit mentionne un hôtel dans le marais de Torséchine. À partir de là, il faut suivre le Sentier des Douceurs. Le Sentier des Douceurs? Suis-je bête? On ne vous lit pas de contes à Kermorren. Le premier paysan venu te dira que les sorcières vivent dans des maisons de pain d'épices montées sur des pattes de poulet. Je le croirai quand je le verrai. Prends ce livre et lis-le. Je crois sincèrement que tu trouveras ta Ciri. Bien. Commençons par chercher un moyen de sortir d'ici. Bonne idée. Oh, nous perdons notre temps. Un mystérieux mage herboriste. Mystérieux mage herboriste. Qu'est-ce que c'est? La potion que je lui ai donnée. Apparemment, il s'en est servi. Ah ah.
médaillon vibre, mais je ne vois rien. Qu'est-ce qui cloche avec ce mur ? C'est une illusion. Je l'ai senti, moi aussi. Je m'attendais à ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai ramené ceci. Qu'est-ce que c'est ? Un œil de Néaleni. Il dissipe les illusions. C'est facile à fabriquer. Tu peux garder celui-ci. Il te servira sûrement. Ça te fera un petit souvenir de moi. Merci. Sympathique. Facile, non ? Voyons où mène ce passage. Eh bien ? Provenant de la gauche, il doit y avoir une issue quelque part. Bien, allons-nous-en. Attends, et la lampe magique ? Quoi tu parles ? La lampe, l'elfe me l'a promise en échange de mon aide. Comme je doute qu'il revienne, je vais me servir moi-même. Enfin, si j'arrive à la retrouver, tu veux bien m'aider ? D'accord, je vais t'aider. Formidable, allons-y. Elle a bien. Nous allons forcément trouver quelque chose ici. La lampe magique. Ça m'a tout l'air d'une autre énigme. Oh. Il y a une inscription par ici. Voir. Tu pourrais me traduire l'inscription ? Je peux me tromper, mais le peu que j'en comprends n'a pas le moindre sens. Donne-moi un instant. J'ai jamais été très doué pour la langue ancienne classique. Bon, voilà. Je te préviens, c'est un peu littéral. Je suis incapable de rendre justice aux rimes internes du texte. C'est sans importance. Vas-y, je t'écoute. Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. On dirait une énigme. Oh merde. Bon, essayons de trouver la solution. Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier, sa torche allumée, n'osa pas aller jusqu'au bout. Attends. Quelle est l'inscription exacte, déjà ? Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. Le premier n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second jouait un air. Attends, il se passe quelque chose. Il y a du mouvement derrière ce mur. Le troisième flattait son compagnon. Et enfin le quatrième, éloigné du premier, jouait lui aussi un air. Ça a marché. Qui peut bien appartenir cette tombe ? Elle ne porte pas la moindre inscription. Le signe de la mouette. Si je ne savais pas déjà où elle est enterrée, je dirais qu'il s'agit du sépulcre de Lara Doran.
C'est peut-être un monument en son honneur. Je vois mal les elfes ériger un monument à sa gloire. Pour certains, elle est l'héroïne d'une légende tragique, mais la plupart d'entre eux la voient comme une traîtresse et pensent que son destin est une juste punition pour avoir épousé Cridenan de Lod. Le mage elfe est peut-être un descendant de Lara. Ça expliquerait pourquoi il aide Ciri. C'est possible. C'est ça que tu cherches. À quoi ça sert au juste? J'espère que je parviendrai à l'activer. Fichons le camp d'ici. Bottes de cavalerie. Alchimie. Ville contre les créatures élémentaires. Voilà. Ça fait mal le coup. On a chopé une nouvelle arme. Argi. On se casse. Quelqu'un a créé une illusion ici. Je devrais utiliser l'œil donné à l'ennemi.
Oh, ouais, bah voilà. Il était temps. Enfin, ça en valait la peine, non? Tu as tout de même appris quelque chose sur Ciri. Si jamais tu t'aventures dans le marais de Torséchine, viens tout me raconter à ton retour. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Écoute, Geralt, il y a deux types d'hommes. Ceux qui saisissent la chance quand elle passe, et ceux qui la provoquent. J'ai toujours pensé que tu étais plutôt du genre à la provoquer. En plus, j'ai une faveur à te demander. Alors, passeras-tu me voir ? Oui, je n'y manquerai pas. Dans ce cas, je t'attendrai. Au revoir, Kara. Retrouver Tamara, la fille du baron Oxenfurt. Bah tiens, on a le bateau. Ouais, c'est trop bien! Putain, c'est trop cool en fait! C'est vachement long en fait. Bon, on va y aller quand même, hein. Wait up, she rises. Wait up, she rises. Wait up, she rises. Bright in the morning. What do we do as a drunken sailor? What do we do as a drunken sailor? What do we do as a drunken sailor? In the morning. Way up, she rises. Way up, she rises. Way up, she rises. Murder in the morning.
femme en fait, faut. C'est pas possible en fait. On va s'arrêter là. What do we do with the drunken sailor? What do we do with the drunken? Oh! Jetez l'ancre! Hop! Et mon cheval est toujours là. Allez, Ablette! Allez, c'est parti! On va aller là. Il y a sûrement quelque chose à faire. Bonjour, messieurs! Tu dois retourner dans la forêt. T'es déjà allé les voir récemment, non? Ouais. Là, ou pas? Tu sauras quand tu auras besoin. Et la chasse sauvage les emporte tous. Oh. On dit pas ça. Hein. Soldat porté disparu. Bien, on prend. Voilà, ça c'est un contrat beaucoup trop. Beaucoup trop gros. Bah c'est simple, hein, on va aller... Invitation de Karamess. Alors juste avant de le faire... Comment je fais pour que mon poivre de marine utilise sa tête? Alors, elle m'a donné une amulette en me disant que ça ne coupe pas la soie. Oh. Bah, on va accepter l'invitation de Karamess. Bam, 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 bam.